Rectangle, la radio. Hello, vous écoutez DJ Rumbosh et l'émission Hockey KO numéro 32. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Premier numéro de cette quatrième saison, Hockey KO a interviewé un mythe, et le mot est faible, de la rumba congolaise. Les fidèles de cette émission savent que toute la musique que j'aime, elle vient de là. Elle vient de la rumba. Congolaise en est à sa quatrième génération, les Yabajeunes. On a souvent célébré ici la première génération, les Banawendo, aussi appelés les Bakolo Miziki. On a également joué à de multiples reprises la deuxième génération, celle de l'African Jazz et de l'Oké Jazz, emmenée par les grands guitaristes électriques Franco, Nico et j'en passe. Une génération qu'on pourrait nommer la rumba classique. Aujourd'hui, on va dérouler le tapis rouge pour un des patrons de la troisième génération, Gabi Lita Bembo en personne. À la fin des années 60, en pleine période psychédélique, une nouvelle génération d'orchestres débarque. Emmenée par Zaiko Langa Langa, Lita Bembo et les Shtukas et le label VV de Verkis. On va l'appeler la génération Cavacha. La musique d'alors cavale au son d'une batterie bien reconnaissable qui évoque une petite locomotive lancée à fond, qui ne se fatigue jamais et qui permet à quelques showmen d'exception d'inventer chaque mois, et pourquoi pas, une nouvelle danse. Lita Bembo, 20 ans à l'époque, est l'inventeur de l'Ekonda saccadé.
du Mombombo, du Caïman. Il est le showman de cette génération qui prend le pouvoir en pleine zaïrianisation. Le mouvement d'authenticité imposé implacablement aux Zaïres par le général Mobutu Sese Seko. Il y a moyen de se faire une idée des performances charismatiques de Lita Bembo avec les Shtukas. Tapez son nom sur YouTube et vous tombez sur un show de la TV zaïroise millésimé 1976, totalement hallucinant. Une heure de concert hypnotique, un document à ne pas rater. Mais présentement, nous sommes à la fin de l'été 2015 et je suis dans le studio Brown Sugar de Thierry Manoka à Skærbæk. Thierry est né au Congo en 1965, batteur mais aussi ingénieur du son, il vit en Belgique. Il est l'instigateur du retour de l'ex-leader des Shtukas. Il a produit son dernier CD, le bien nommé Nouvelle Expérience. C'est en sa compagnie que j'attends impatiemment l'arrivée du légendaire Lita Bembo. Veuillez laisser un message après le bip. Bonjour Lita, c'est Thierry. Donc j'espère que tu es en route et donc que t'as pas oublié le rendez-vous, quoi, parce que nous on est là. Donc on t'attend. Sinon tu me donnes un coup de fil, tu me dis à quel moment tu es. A bientôt. Est-ce qu'il va arriver ? Parce que moi, je suis arrivé sur les trucs de Lita en étant tout petit dans ces années-là. Hein. Donc on ne voyait que Lita à la télé, quoi, tu vois. Dans les années quoi, 70, il n'y avait que Lita. Quand il a sa période de gloire, tu as un gamin de 10 ans alors, voilà. Une dizaine d'années. Quoi. Mais mes grands frères écoutaient ça. Et indirectement, ben, ça retombait sur nous les petits. C'est comme ça que bon, on est tous devenus fans. Et c'est vrai que je trouvais ça dommage, une fois arrivé ici, que tout le monde l'a oublié. Et voilà, quoi. Donc je me suis dit, bon, comme je fais de la musique et que j'ai du matériel, il faut, à tout prix, il faut le relancer. Parce qu'on ne peut pas l'enterrer, parce qu'il nous a fait bouger. Tous les jeunes de ma génération, et certains aussi d'une génération avant, il a fait trembler le Congo, quoi. Quand je suis arrivé en Belgique, parce que moi j'ai quitté le Congo en 78, bon, le succès de Lita a été commencé à, voilà, à disparaître. Et à ce moment-là aussi, je crois, en 79, lui, il est arrivé ici, je crois, Lita même. Il est resté ici, bon, il est resté quand même longtemps, quand même, ici. Hein. Et du coup, ben, des autres groupes ont pris place. C'est comme ça, en fait, que ça se passe. Hein. Donc, des autres groupes ont pris place, mais n'empêche que... Il est resté populaire. Il est resté populaire, populaire. Les gens se posaient la question, ouais. Parce qu'il y avait même un mystère. On se demandait ce qu'il devenait, des choses comme ça. Voilà. Et la population se posait des questions, qu'est-ce qu'il est devenu. Et une fois moi arrivé ici, en allant à l'école, de temps en temps, en se promenant, tout et tout, on le croisait quelque part, quelques fois, comme ça, je le voyais de loin, et les gens me disaient, ah, regarde Lita, Lita, Lita. Mais n'empêche que tu vois, même si je jouais plus de la musique, mais le fait de voir que c'est Lita, c'était toujours quelque chose d'un peu de magique pour nous. Pour moi, Lita Bembo a été le Johnny Hallyday congolais, en tout cas à cette époque-là. Parce que j'ai encore un souvenir, quand j'étais petit, il passait dans un quartier comme ça, hein. Mais il fallait voir toute la, je veux dire, les jeunes qui le suivaient comme ça dans la rue. C'est pour te dire, quoi, voilà, l'influence qu'il avait. C'était le Johnny Hallyday congolais. Quoi. Sasi ya mondoki esala kana mi sauté Papa, moi
mwambe ya mama o, mwambe ya papa, mwambe ya mama o. Balobi na kende kozwaye, na libongo talako. Elongi na ye, na ye video. Ekominga na libongo, yo talako. Masu ebeti, lo seba o. Namoni bato, babimi o. Tomba na kundo, babimi o. Babudiano, babinio, bakongona masini, babinio, bapangina tukutuku, babinio, baswahili, babinio, gayo, gayo. Mwambe ya mama o, mwambe ya papa, mwambe ya mama o. Koko koko pulu tebela, eh mama ni nombe o. Koko koko pulu tebela, eh mama ni nama la kunda o. Ola mbe langwa yo, ola mbe langwa yo, eh mama ni mtuka o. Namoni basipe. Babini o, ya moku sabini, oyote o. Ya moni anabini, oyote o. Ya molayi abini, oyote o. Natala boyo, mwasi mobange o. Mwasi mobange o, mwasi mobange o. Mwasi mobange o. Ça y est, Lita Bembo est là. Bonjour Lita. Ça va ? Ça va bien. Ouais. Voilà. Ben on avait déjà commencé, ouais. Commencé un peu sur le dernier disque, Nouvelle Expérience. Ce que je voulais faire pour l'émission, c'est de faire un peu une chronologie, c'est-à-dire de parler un peu de ta carrière. Dans les gens de l'époque des années, on prend 1955 déjà, nos parents aimaient la musique. Tout ce qui est passé, vous dites, nos parents étaient des fonctionnaires, mais aimaient la musique. Ils achetaient les disques de 72 tours. Et 45. Donc, ouais, donc, il avait des supports là. On écoutait dans les cafés, les bars dans l'époque là. Ah, c'est quelque chanson là. Admettons, qui était là, on voyait bien. Tiens, on a pu avoir un Milan. Marie-Josée a solo nandimie, pone zalirina yo ya bo mwana. Mama, sukayanga na yo toyo kana. Kato dinga na makale ae, pona putane na yo ya bo mwana. C'était comme ça. Quand t'écoutais, kato dinga na boringa ae 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 makale ae. Tu vois, toute les populations, ils suivent. C'était des chansons nostalgiques, chansons populaires. Nous, on a vécu ça, les chansons populaires, les chansons du village, ils ont mené ça, quand les guitares sont rentrées, ils ont mené ça là-bas. Des bons trucs là, tu vois, on suivait, on écoutait parce que c'était dans ces tours là. Pas directement, on arrivait à 45 tours, là, comment ça a changé. Là, on arrive à des années 60, là, c'est l'indépendance. L'Afrique entière qui veut revenir d'Europe,
Alors que j'étais déjà là. Parce que, tout ça, Lucas là, on avait ces chansons-là. On écoutait. C'est des bases, hein. Parce que comme on ne peut pas construire une maison sans fondation, c'était nous, on avait une base à Lingembo. Les Ngembo, en lingala les chauves-souris, désignent les gamins fanas de musique qui grimpaient alors dans les arbres ou sur les murs en hauteur pour profiter à l'œil des concerts. Les gens avaient la facilité d'écouter des chansons parce que la mémoire travaillait beaucoup. Il n'y avait pas les enregistrements. Il faut travailler. Tu peux, par jour, tu peux capter 4 chansons de l'orchestre qui sont sorties. Mmh. Parce qu'il y a des tendances. Ok, jazz, tendance African Fiesta, African Jazz, tendance de l'orchestre, tout ça, vous voyez. C'est donc, ça que tu écoutais à l'époque? On écoutait trop de musique dans les terrains. Mm-hmm. Il y avait trop d'orchestre. Parce qu'il y a le temps, je me souviens, beaucoup de garçons allaient à l'école, hein. Ngembo aussi, mais à l'école. Je veux dire, à l'école, à l'internat, partout là-bas. Ils connaissaient la musique et qui sortait. Mais écrit aussi, hein. Après, radio, ils venaient, la radio, ils écoutaient la radio, et puis avec, comment dirais-je, le concert populaire. On allait voir. Mais dans les quartiers aussi, nous, on était des chanteurs, mais on ne connaissait pas des octaves. Hein. Mais parce que, pas, on ne jouait pas. On jouait, on n'est pas un groupe. Nous, c'est sur des petits des enfants du quartier. Mmh. On jouait comme ça, comme à Capella. Mais quelqu'un qui a quitté. C'était quel quartier Moi. À Kinshasa. Moi, Imo Congo, derrière le stade de Tarfayel. C'est la révolution musicale. Tout a commencé là-bas. Hein. Dans ce quartier-là. Quoi. Oui, tout était fait là. Le fait d'indépendance, le roi Pauvenet, quand il est venu, c'est une histoire du Congo. Go, Congo habitoé, Banabashi, Bakomi, Kikoko. Go, Congo habitoé, Basi, Babitoé, Baye, Mikolata. Gotala, Natali, Mwana, Masyoyo, Nakolata, Alatiso, Kyabaliteo. Maye, na maye, le maye, makuta ni se vila moko nangaye. Go, goa, ok. Peace.
basi babiso e baye bikolanta kotala natali mwana mwaso yo na kolanta ala tiso kya balite yo biso na ye na mayele na ye na kutani mesika mwako gamba ye ngo kongo na biso e bana bansi bako mikitoko. Moi, j'écoutais ça chez nous, chez ma grand-mère. Ma grand-mère, il avait un café. On avait tous les disques. Tout. Quand on écoutait la chanson comme Ngo, comment on a vu ça. Moi, j'écoutais ça chez nous, chez ma grand-mère. Ça jouait la chanson. L'obinatongo, mokile, koba, lukanzambe. Mokinatongo. C'est qui ça? C'est. Adouelinga. On écoutait ça. Quand on voit venir l'histoire, venir notre musique. Ça a commencé là-bas, du côté de Bakongo, c'est le côté-là, du côté de Boma, Banana, Mwanda, et puis vous montez, vous avez Boma, vous montez Matadi, voilà. Tout était sorti là, à partir d'Angola, tout ça là, mais on a un problème. Il a des tendances, beaucoup de tendances dans notre musique, mais il a une tendance vraiment qui a vraiment fait aujourd'hui que ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est la source, c'était venu du côté de Maindombe. C'est la famille Bokelo, Isenge, et de Wendo. Donc, vous comprenez que quand les Bokelo sont venus à Kin, c'est ça qui jouait dans les petits bars là, dans le côté de. Parce que à Kin, c'était pas Kin, tout Kin. À Kin, c'était commencé après ville, limite, c'était les jeunes qui chassent. Et Kitambo, et Kitambo Magasin, et Citas, trois places. Tout se crée là-bas. C'est-à-dire, nous, on a subi quelque chose là. Moi, j'ai commencé dans les quartiers. Nous sommes les musiciens des quartiers. Avec des guitares comme ça, on répète derrière la maison. Mais des idées, bon, avant de commencer à chanter, il faut te demander oh, quelle octave là oh, wow. C'est comme ça. Mais même des chansons, souvent, on interprète des chansons pour avoir une ligne. Quel style. Mais c'est à partir des 69 là, on a fait un orchestre du quartier. Pas mon orchestre, c'était du quartier. Les gens. Qui c'était nos vieux, ils travaillaient dans la banque, partout, ils ont formé un orchestre à eux. Parce que c'était les financiers, les instruments, tout ça loué, c'est eux. Hein. Donc vous aviez des instruments. Des instruments du quartier. Que les gens quartier. Vous fournissaient la comité, c'est le comité. Donc en fait, c'est tout un orchestre, c'est toute une coopération de gens qui à la fois sponsorisent les instruments. Aujourd'hui, on dit le sponsoring. Dans l'État, on disait comité. Un comité des vieux, ils louaient des instruments. Et à un moment, tu es rentré dans le comité des Stukas ou tu as... Non, je me suis adhéré aux Stukas, parce que c'était dans le cas du quartier. J'étais obligé d'être là. Mon histoire à moi, il y a beaucoup d'étapes. Il faut parler quelle étape est l'étape. Quand moi je suis rentré aux Stukas, j'ai trouvé Lomingo, Zachary, Pierre Nkomo, Damien Debo, Enoch et Matima. Les quatre qui sont allés après dans les écoles, mais c'était dans les Stukas. Un mois après, je suis allé demander à la communauté, je dis, j'ai un ami à moi qui habite à Kate Rankin, c'est Matungé, il aussi chante très bien. Il est venu dans les Stukas. Dans les Stukas, il a joué moi seulement 4 concerts. Hein. Après 4 concerts, bon, il est allé aux écoles. Bon, les écoles sont comme des cofondateurs. Mais tu es devenu très vite le leader quand même. Non, c'est après, quand nous sommes restés là, après mon première chanson, donc chanson de Souci. Moi aussi, c'était sorti sous le support de 45 tours. C'est sorti à 72. Ça, c'est la sortie de mon Siré Fixé. Mikaka,
Jérôme Bosch, podcast. Un après, nous sommes séparés. Pourquoi nous sommes séparés? Nous sommes allés faire notre groupe à nous. Nous sommes allés chez notre producteur, le Ngangé. Après une voyage qu'on avait fait à Matadi, dans le Congo central, dans notre retour, nous sommes partis, nous sommes allés chez Rochero, comme Soukas Lei. Nous sommes allés même aller écrire chez Rochero, Tabouleï. Là, il y a encore beaucoup de disques qui vont se sortir encore. On a pris des centaines de disques, de chansons. On a fait là-bas, sur ce casse-là. Après, nous sommes restés au quartier avec les amis. On répétait toujours derrière. Après, nous sommes allés être exposés par Maître Toro, les grands mécènes de la musique, le théâtre et le spectacle chez nous au Congo, là-bas. Et sa femme nous a donné l'instrument. Là, on avait fait les Ikonda Sakade à 74. C'est le plus grand succès, ça. C'était vraiment... Ça a commencé là. Ça a commencé vraiment à 74, parce que c'était aussi Ali Foreman, c'était aussi le mondial. Et notre équipe, le part, est allée en Allemagne. Première équipe africaine noire, allée dans la Coupe du Monde. Vous voyez,
1904, c'est-à-dire une certaine heure, année pour de notre pays, le Congo Zaïre. Thank you.
America will be fought for Africa. When I say quit it, quit it. They're gonna get the greatest musical performance there ever was. They got the planes, got the Holiday Inn, got limousines. This is our homeland. This is our civilization. It seemed like we're going back home. After such a long time, a family gathering, a welcoming back home. En octobre 1974, le général Mobutu accueille au Zaïre le combat de boxe du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Hockey KO en a fait une émission spéciale, Rumble in the Jungle, toujours disponible en archive sur le site de Radio Rectangle. Pour accompagner cet événement planétaire, je parle du combat de boxe, un festival de musique est organisé à Kinshasa. Plusieurs grands noms de la musique afro-américaine sont présents, et tout spécialement James Brown, qui marquera à jamais les 3e et 4e générations de la rumba congolaise. Un documentaire intitulé « Soul Power » est réalisé par l'américain Jeffrey Levi Hynt. Vous pouvez le dénicher facilement sur la toile. On y découvre les coulisses de l'organisation et les prestations de tous les artistes, uniquement américains. Le montage de ce film est vraiment très frustrant. Tous les grands noms de la rumba congolaise qui participaient au concert ont été éjectés. À part une ou deux petites minutes de Taboulé Rochereau et ses Rocherettes période Afrissa, on n'y voit aucun des artistes locaux, pourtant bel et bien filmés eux aussi. Franco Eloque Jazz, Zaiko Langa Langa, Trio Majesi et bien sûr Lita Bembo et les Shtukas, ils ont tous été zappés au final. Ça fait plus de 40 ans qu'on attend ces documents. Bon, on sait que le show business, c'est trop compliqué et trop sérieux, mais c'est aussi surtout trop con. En voilà une preuve de plus. Les Américains, ils ont réduit ça. Ils n'ont pas mis le film... pour les Zaïre, là il n'y en a pas. Parce qu'ils sont allés partout, ces gens-là. Même dans les provinces, Katanga, tout ça, ils ont filmé partout ces gens-là. Parce que nous, on était là. Ils ont mis des matos. Quand ils tournaient là-bas, on voyait pour la première fois des caméras VHS. On a vu ça pour la première fois. Et les Américains tournaient dans les caméras de cinéma. Tu vois, mais le film de James Bond, regarde la qualité, c'est le cinéma. C'est-à-dire, ils ont. Tu veux dire, ils sont venus découvrir d'autres cultures. Parce qu'ils ont tourné, je ne sais pas. Ils ont fait. Un mois là-bas, deux jours de festival. Donc, ils ont des milliers d'images là. Ils ont des milliers d'Américains. Ils ont des milliers de c'est grave. Est-ce que tu as vu les images qu'on a filmées de toi des Le Stuka, c'est ils ont ça. Parce qu'ils filmaient, ils ont ça, tout. Tu n'as jamais vu les images? Non. Ils avaient ça. Et puis, comme nous, sur la télévision, on avait mis même les extraits aussi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé chez nous là-bas. Il n'y a pas de bibliothèque là. On filmait complet. Moi, j'ai joué une heure. Le Stuka, une heure. Tout, ils ont filmé Zaïko, Stuka, OK Jazz, tout était même les groupes folkloriques. Mais c'est l'argent. Ils savent, ils ont ça. Moi, j'ai parlé même ça à notre ambassadeur qui était ici. J'ai dit, oh, mais dis au président de faire une lettre que combien on demande, on paye, ils montent, ils nous remettent notre patrimoine. Le jour qu'on vous allez voir tout ça, dire, ah, ça c'est vraiment notre pays. Mais la musique congolaise, ça c'est le patrimoine. Et donc les Shtukas ont été filmés. Là, nous, on avait joué là-bas. Vous avez été filmés. Oui, voilà, la preuve. Vous voyez la photo là.
là, quand j'ai les choses que j'avais joué, la première fois qu'on voit le podium, c'est dans avec, le stade. Avec le stade, avec des lumières, les gardes là sont venus avec des matos. Ils ont même loué des hélicos. Hein, parce qu'ils ont filmé. Je me souviens, il y avait une caméra de cinéma, le gros de la 35 mm là. Et puis tu sais, comme s'il venait tout près de toi. Après, dans un moment, tu écoutes l'hélico. Quand nous sommes venus faire le checking là, la journée, on a vu les claviers de satelliseurs. C'est quoi ça? Ils avaient amené 40 pistes encore à la table. Mais nous, c'est la première fois qu'on voit des trucs comme ça, on est malade. Mais c'était beau. Hein. J'avais joué après des groupes folkloriques. Et vous étiez à 4 sur scène, c'est ça? On était 4 chanteurs dans l'époque là. Moi, Lomingo, Kisola, Souké, 4 chanteurs. Et puis derrière, on avait 3 guitaristes, un batterie, un congas, c'est tout. Et puis 2 danseuses. Donc, stade, il était plein. Plein. Donc ça a duré 2 jours les deux jours, les spectacles. Ouais. 2 jours. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré James Brown? Oui, pris... j'ai rencontré, j'ai les photos qui sont en noir, tout ça au Congo. Je l'ai rencontré. Est-ce qu'il était ouvert pour les musiciens congolais? Ouvert parce qu'on avait un interprète, il était à côté. On parlait. Est-ce qu'il écoutait la musique congolaise? Non, c'est normal parce que ces gens-là, c'est-à-dire, on a eu une chance, on avait eu là, dans cette année-là, même le vieux peut témoigner. Aucun pays africain en Afrique, ils ont cette chance-là. Parce qu'on avait tout. Ces gens-là, avant de venir chez nous, ils écoutaient la musique congolaise. Écoutez la culture gendroise, écoutez tout. C'est tout dans les tours, la chanson de film. Mais voilà, il y a des images, mais le gars là, il est malin. Donc ça, c'est, malin, ça c'est filmé dans la rue, ça. Oui, dans la rue. Et ça, c'est qui joue? C'est Manu Dibango. Manu Dibango. Oui, c'est ça. Il y avait des gens qui pouvaient rentrer gratuitement ou... Oui, non, le président, comme il était malin, il avait l'opération à coûter 40 millions de dollars d'époque. Donc il fallait faire croire les peuples. Voilà. Qui rentrent gratuit, c'est tout. Dès que ils sont rentrés en gratuit. Et les gens en ont profité, ça. Profité, oui, ça... regarde déjà là. Il n'y a pas de gens. Ils sont heureux. Mais en fait, ce match-là, c'est Mobutu qui a financé. C'est l'argent du peuple congolais, en fait. C'est l'argent de la population que Mobutu, pour son prestige, voilà quoi. Il voulait montrer à l'Afrique que le Zaïre de l'époque était capable d'organiser le combat du siècle. Parce que c'est vrai que ce genre de choses-là, ça se fait aux États-Unis, à Las Vegas, tout et tout. Mais lui, il voulait montrer la puissance que le Zaïre avait, voilà quoi. Mais c'est sûr que tous ces gens qui sont venus jouer, ils ont demandé leur prix aussi. Mobutu leur a dit, pour moi, c'est pas un problème, l'argent, je l'ai, quoi, tu vois. Mais entre-temps aussi, il y a eu aussi la mauvaise gestion aussi de lui et son entourage, quoi. Parce qu'ils faisaient que des fêtes et des fêtes, hein, eux. Hein. Et ils avaient, en fait, souvent, il fallait voir ces gens-là à l'époque, parce que certains Zaïrois avaient des voitures qui n'étaient même pas sorties ici sur le marché européen ou américain, mais eux les avaient déjà. Parce que c'est les gens qui négociaient. Par exemple, dans le cas de Mobutu, ils négociaient directement les voitures avec la société Mercedes en Allemagne. Des trucs du genre, quoi. Donc tu imagines le gâchis, au lieu de servir la population, donc lui, pour son propre prestige, il commandait déjà la Mercedes que l'usine allemande avait conçue, mais qui n'était pas encore sortie. Mais lui, il a commandé déjà pour lui. Et donc voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gâchis avec l'argent public.
C'est James Bond, qui a modifié notre musique de son passage au Zaïre. Au concert. Et à ce moment-là, donc, en même temps, tu as le plus grand succès, donc c'est le mouvement saccadé, quoi, les danses. Etc. Quoi, saccadé. Les ouais, c'était là, vraiment là, tu trouves donc, qu'on a raison. Bombombo, c'est venu plus tard. Bombombo, ça vient après. C'est tout après, même le Caïman. Là, nous sommes arrivés, après, bon, il y avait la séparation, et puis là, on a pu... Bon, Wende, dans Estoukas. Là, on devient une autre chose. Ça, c'est 76. 76, là. L'émission de télévision qui est très connue, qu'on voit sur YouTube. Le King Show, chez le Sampo. Télé Zaïre. C'est tout le show qui fait une heure, quoi. Une heure, oui. Ouais. Et puis, c'était réglé avec le réalisateur, c'était le Coco Sampo. Et ça, ça a eu un gros succès aussi. Oui, beaucoup, jusqu'à maintenant. Parce que les gens, quand ils regardent jusqu'à ça maintenant... Jusqu'à nos jours. La télévision était inaugurée à 68, mais ils sont venus à 66. Ils ont appris pour la télévision. Ce sont des gens qui étaient étudiés ici, en Europe, ici. Comme stagiaires, parce que dans les temps, on préparait aussi la télévision. La qualité était incroyable. Parce que ils avaient des matos, là. Et puis, ils avaient des créations artistiques, parce qu'on avait seulement une seule chaîne. Chez nous, le Congo Brazza. Donc, tu vois, tous les gens ont dit, la télévision, c'est comme ici en Europe, le début de la télévision. Je vois des films, des gens qui sont dans les temps, mettaient des téléviseurs dans des vitrines. Ça marchait 24/24. Les gens qui allaient voir les gens télévisés dans les magasins, avec sa femme, parce que la télé était chère. Cette époque-là, nous, on a vécu ça. La télé, c'est ça, pour cela qu'on était suivis partout, au Zaïre, à l'époque-là.
Mais quand, début des années 70, toi, tu viens avec les Stukas. Ça, c'est... On avait une autre vision dans cette musique-là. Nous, c'était vraiment des spectacles et danse. C'est un côté magique, quoi. Enfin, je l'ai dit... Non, pas magique. C'est-à-dire, on peut dire... il avait des groupes qui jouaient normaux, quoi. Parce que le gars qui a fait introduire la batterie, c'est Rochereau, après Olympia. Après, Olympia Rochereau est revenu, mais on a vu, même Johnny Hallyday. Johnny Hallyday a joué à Kinshasa. Des jours. En 1967, Johnny Hallyday. Oui, j'ai vu ça au stade de Raphaël. Moi, j'ai vu Johnny trois fois. Là, il a joué au zoo, Palladium, pour les Blancs, et puis pour le peuple, au stade. Il fallait voir. Johnny, donc, pour Johnny le stade personne. Complet. Quoi. Ouais. Johnny, on est touché comme ça. Mm. Et oui. Il chantait quoi? C'était... Il chantait en français. C'est noir, c'est moi. Et mon fils. Pour son cœur. Tu vois, le stade tombe. J'attends. Oui, le stade, j'attends comme ça. Wow. Non, de Johnny Hallyday, c'est no, on peut dire notre Bible. Avant James Brown, parce que lui, il chante français. Donc c'était d'abord Johnny Hallyday et puis James Brown. Mais on écoutait Johnny Hallyday depuis l'école, parce qu'on avait des amis qui étudiaient ici. On écoutait tout. On écoutait comme c'est qui c'est. Les Beatles. On ne comprenait pas l'anglais. Mmh. C'est pas ça comme ça chez nous. Le peuple congolais n'est pas bourrique, ces gens-là. Ils étaient intelligents. Vous comprenez? Mmh. On apprenait les chansons comme ça, on chantait des anglais, mais on ne connaît pas ce qu'ils disent dans les mots d'anglais. Et Claude François, il voulait. Il est venu aussi jouer au Congo, au Zaïre, là. Et François Zardy, je crois. Oui, c'est François Zardy qui est venu. Et ça, le concert, tu as vu aussi J'en ai vu, c'est le même quartier, parce que ça, ici, nous sommes derrière. Donc c'était la période yéyé qu'on a fait. Yéyé, nous, on a vécu ça, mais comme ça. Mmh. Ils ont exporté ça à Kin. C'est le pays africain. Après, il est venu à dire après. Après que tu as ça, il est allé jouer au Sénégal, mais au Sénégal, il était expulsé. On n'allait pas souvent en ville, on est en ville aussi, mais pas aller dans les papeteries belges. C'est trouvé dans les autres postes là. Ils vendent de tout. Mais j'avais découvert ça 5 ans après. Je suis parti là-bas acheter des Salut le copain. Chaque mercredi. Le journal Salut les copains. Ça sortait mercredi en France, mercredi à Kinshasa. Donc avec Johnny, Sylvie, Sylvie là. Et puis les flashs de Claude François. C'était en couleur. Hein. Quand je venais à la maison, je lisais ça. Il n'y avait pas de vidéo. Pour pouvoir voir le film, il faut aller au cinéma. Quand on voyait des actualités de Elvis Presley au cinéma, on voyait des extraits de James Brown au cinéma, on voyait des extraits de Johnny Hallyday au cinéma. C'est-à-dire, ce n'est pas comme aujourd'hui. Maintenant, ici, je peux prendre mon jardin, je regarde les journaux. Mais on avait notre tête, ça bougeait. Parce que quand on voyait qu'on connaissait des chansons des orchestres, ils sortaient là, sans mon téléphone, c'est grave ça. Rectangle, rectangulaire et radiophonique. Yeah.
Bruxelles. À 75. Dans le temps là, c'était pour le, ici en Europe, c'était pour les étudiants, les boursiers. Quand ils terminent ces études, ils rentrent. J'ai fait 2 mois ici, et puis je suis rentré, puis je suis revenu pour, en tant qu'artiste à 78. Tu es venu pour enregistrer ici ou... Enregistrer à 78. Okay. Comme si vous avez à 78, ça vient tombé, le film de la famille de samedi soir, de Travolta, faisait fureur en Europe, des discos. Ouais, tout à fait. Ah, nous, on a vu ça ici. Ça t'a influencé, toi? On a vraiment un disco. J'ai fait la chanson sur les fèves de samedi soir. Comme ça, c'est quand même différent de ce que toi, tu faisais. Non, mais là, on découvre... Tu étais plus rock, quand même. Toi. Oui, mais on a découvert une autre chose. C'est comme aujourd'hui. Nous, on travaille dans la machine. On travaille sur la numérique aujourd'hui.
Donc on travaille maintenant sur la musique du futur. Mais il n'y a rien de musique du futur. C'est sur les sons qu'on écoute aujourd'hui. Il prend ça et met maintenant à rap, à R&B bien hip-hop. Mais moi j'étais gosse hein, dans ma chambre. J'ai fait tout nécessaire. Je suis allé acheter un petit poste radio avec deux piles. Mais je les cachais toujours en dessous de les lits. Bon, dans le temps, il n'avait pas des écouteurs. Quand mon père dormait, moi je mettais du coussin, je mettais ma radio à côté là, j'écoutais tout souvent la radio Angola. Là, Angola n'a même pas été indépendant. J'écoutais France Inter aussi. Mais des radios là. Quoi, France Inter. J'écoutais des nouvelles. Moi j'aimais des nouvelles. Et puis j'aimais beaucoup la France. Pas la Belgique. Parce que j'écoutais les France Inter, c'était vraiment la France. Parce que tu vois, je me souviens chez nous, je peux me compter pas, chez nous, au pays, il y avait la tendance musique française, et puis les Congolais de l'époque, ils suivaient ça. Ah, mais oui. Ils connaissaient déjà Aznavour, Edith Piaf, ils connaissaient Beko, on connaissait là-bas. Tino Rossi. Ah, aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sinatra aussi. On connaissait Sinatra. Elvis Presley. On écoutait ça. On a été écouté chez nous. La radio, les disques, c'est tout. Quand Franco a fait une révolution, notre musique, c'était à 50. J'étais petit. Cha-cha-cha. Et cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Imbalikero de miyamo. Mais c'était tout clean. Et puis, on dit qu'il y avait des gens qui partaient au concert, ils venaient à la cité montrer les pas. Tcha tcha tcha, quatre pas. Je dis, on a vécu ça. Tcha tcha tcha, on va des ghettos de miyamo. Se le disent, Lita Bembo, la légende de la rumba congolaise, assume le passé et se projette à présent dans le futur. Il multiplie les projets. On devrait bientôt le voir enfin sur scène, accompagné par le groupe Nouvelle Expérience avec Thierry Manoka et avec le talentueux guitariste Feli Njoku. Un nouvel album est déjà en préparation, mais en attendant, n'hésitez pas à vous procurer celui dont nous avons passé quelques extraits durant cette œuvre. Lita travaille aussi en ce moment sur le projet Boaka Nzoto, initié par le conteur itinérant Bolikassé Boafomo. Une édition mystérieuse qui nous dira tout sur le vocabulaire exact et amoureux du Lingala. En tendant l'oreille, j'ai déjà capté des chansons comme Fico Fico Fio, Kanzenze et Surprise, une reprise hors des clous de Ne me quitte pas. Terminé, je voudrais remercier tout particulièrement Thierry Manoka, mais aussi Papa Boni, qui joue sur le CD Nouvelle Expérience, un musicien au parcours passionnant qu'on retrouvera dans un prochain épisode de Hockey KO, ça c'est sûr. Voilà pour le futur. Venga, venga, vous pouvez retrouver la tracklist de cette émission sur le site de Radio Rectangle. Et puis, n'oubliez pas, cha-cha-cha, cha-cha-cha, et cha-cha-cha, rumba de canto de mi amor. Ouais, j'ai dit que c'est une longue histoire, on va dormir ici. C'est une longue histoire. Donc tu vois, comme on disait, maintenant il y a 4 générations maintenant ici. Ouais. 42, 54, 64, 65. C'est vrai,
Donc tu vois, t'as presque le... C'est le rêve pour quelqu'un qui veut faire une émission. Quoi. Maintenant, il ne faudrait plus que les ceux de 74, ceux qui sont nés 80... Radio Rectangle, c'est magnifique.